Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à Formula GP, jeu sorti tardivement sur la PlayStation, un jeu de Formule 1. Enfin, en tout cas, ça ressemble beaucoup à de la Formule 1. Si ce n'est que le haut de la voiture semble un petit peu sous-proportionné par rapport au pilote, c'est-à-dire que s'il se retourne, le mec il meurt avec. Bon, enfin, ce n'est qu'un petit détail, voilà. Alors écoutez, je sais pas si vous vous souvenez quand on avait joué. Quand on avait joué à Formule 1 98, hein, qui était considéré comme un jeu ultra mauvais, eh ben, est-ce qu'on peut faire pire encore? Bien sûr, mais évidemment, je veux dire, quand il y a de l'argent à la clé, on peut faire pire. Alors c'est parti, on a le mode de start et le mode option. Donc le mode option, pour vous montrer un petit peu, j'ai baissé un petit peu le son du jeu. On a difficulté médium, hard et easy. On va laisser en médium pour voir ce que ça donne. On a le nombre de tours. Donc on peut aller jusqu'à 15 tours, on va mettre 3 tours. On peut changer donc l'écran, le centrer si on veut. Et on peut choisir si on met la vibration. Donc on va faire OK. Et on va donc démarrer le jeu. On va même changer l'autre nom. Alors remarquez qu'ils ont fait assez fort, on dirait un clavier à damier. Au moins, on va dire pour ça, ils ont été original. Et donc nous sommes partis. On va donc charger la deuxième partie du jeu. Chargements qui sont plutôt longs hein, d'ailleurs. Même si on est sur Play 1 quand même, il y a des jeux de F1 qui chargeaient beaucoup plus vite que ça. Mais bon. Allez, c'est parti. Donc, on a une liste de circuits disponibles. On en a exactement 8 au choix. Vous avez les tracés à gauche et vous vous rendez compte qu'il y en a un seul à peu près qui ressemble à un circuit de Formule 1, c'est le tout premier, c'est Interseca. Et Interseca, en fait, il ressemblera à quoi? Il ressemble au circuit d'Hungaroring. Et je me fais une petite réflexion en me disant que peut-être que Auto Garden et Scottsfield Island sont en fait le circuit de Trail Mountain et le circuit de Laguna Seca ou peut-être Indianapolis. Voilà, petite réflexion comme ça. Alors, je vous propose de choisir un au hasard. Bon, on va avoir les yeux. Le cœur net, pardon, directement. On va lancer Scottsfield Island. Et donc, nous sommes partis donc, avec le choix des voitures, enfin, le choix de l'équipe, qui est plutôt le choix d'une couleur. Hein. Comme vous pouvez le voir, aucune voiture est différente au niveau de la 3D. Alors, la 3D, la voiture qui est plutôt correcte, ma foi, hein, même s'il y a quelques bugs, vous pouvez voir de textures qui se chevauchent, de 3D qui se chevauchent un peu, voilà, surtout derrière les roues, mais ça c'était typique dans tous les jeux de F1 à l'époque, même jeux de voiture, on avait ce gros bug, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc on va prendre bah, une couleur, on va prendre la grise, tiens. Oh, que l'orange est pas mal. On va sélectionner, et on va donc démarrer la course. J'espère que le son est pas trop fort, logiquement il devrait être à peu près proportionné, j'ai envie de le descendre un tout petit peu. À 8,9. Et on voit que le record du tour est en 53 secondes, ce qui est vraiment court. Sauf qu'un circuit de Formule 1, en général, les circuits les plus courts finissent en, allez, en 1,4, 1,6, 1,10. Là, on est vraiment en 0,53 secondes. Ce qui est plutôt. Qui est plutôt très très court. Hein. Alors, c'est parti! Allez, c'est parti! J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, on est parti. Ouf! Alors, au niveau des graphismes, là pour commencer, écoutez, on va faire un faire simple. J'ai envie de baisser le son parce que pour moi, le son il est vraiment à fond. Je vais juste réduire un petit peu le son dans mon casque. Voilà, et je me suis percuté par derrière. Au niveau des graphismes, écoutez, le jeu se défend pas mal. Bon, il est sorti pas forcément au début de la vie de la console, donc on a senti un jeu qui se calme plutôt joli. Mais là, il faut dire quand même que le jeu est plutôt propre, assez détaillé. Les circuits sont plutôt bien réalisés. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la texture du sol est assez précise. Et surtout, le clipping, même s'il est présent, est quand même plutôt éloigné. Donc au niveau graphique, franchement, on est pas mal. Maintenant, le jeu est quand même plutôt beau. En revanche, s'il y a un truc qui est assez bizarre dès le début quand on joue à ce jeu, c'est putain, c'est quoi ces suspensions, sans déconner. Regardez les suspensions. Hein. Je vais tourner. Alors là, le travail est magnifique sur les suspensions. Hein. Je veux dire, les mecs qui ont fait la physique, mais ils ont dû se faire plaisir. Par contre, non, en Formule 1, ça, c'est pas possible. Sans déconner, c'est impossible.
C'est vraiment trop trop. Alors le maniement après est correct en soi, même s'il est plutôt... Il y a une latence énorme en fait entre le moment où on commence à tourner ou la F1 tourne. Mais une fois qu'on a pris le temps de latence en main, ben, on s'en sort pas trop mal. On a sur le... En bas à droite, on a donc le compteur tour avec les vitesses qui sont représentées en H. Ce qui est un peu con puisqu'en Formule 1 à l'époque on était déjà à la boîte, les palettes au volant. Mais le détail technique est plutôt pas mal. On peut voir que les voitures vont jusqu'à 11 000 tours minute. Et on va rentrer dans le final, dans le tour final. Alors après, évidemment c'est un jeu qui ne possède pas de licence, hein, vous l'aurez compris. Je pense que le budget de l'équipe qui a fait développer ce jeu a dû être ultra faible. Cependant, on a quelques sponsors, par exemple on a Brewster, hein, qui évidemment s'appelle Foster en vrai. On a Mission Industrie Exhaust, je sais pas ce que c'est. Ah voilà, c'était donc des faux sponsors. Et honnêtement, au niveau du maniement, même si c'est dégueulasse, franchement ça va. C'est juste la réaction de la voiture qui est dégueulasse, mais le reste est plutôt correct. Voilà, une fois qu'on a pris un coup en main, bon bah voilà, hein, ça se pilote plutôt bien. Alors je découvre le circuit en même temps que vous, je précise quand même. Mais vous voyez, je suis déjà premier, on est en mode normal pourtant, et le challenge n'est pas spécialement très relevé. On est en mode difficile, voir ce que ça change. Alors j'ai cru voir un vrai sponsor, mais j'ai me trompé. Ouais, Coca-Cola, c'est Coca-Cola, enfin c'est que des faux sponsors. Est-ce qu'on peut s'arrêter au stand, en revanche? Eh ben non. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'arrêt au stand. On a droit à un joli game over. Il faut le dire vite, hein, bien sûr. Non, j'ai cru voir Suzuki, mais en fait non, Pastrol c'est... Pastrol c'est Castrol, donc en fait il n'y a aucun sponsor. Pas le moindre truc qui fait référence à la F1 qui soit réel, hein, c'est que des modifications de sponsor. Donc voilà, donc le maniement, bon, est plutôt correct. La réaction de voiture par contre, l'aile ne l'est pas du tout. Je vous ai pas trop montré les collisions, mais elles sont assez dégueulasses. Alors on va tenter Autogarten. Ouh, une F1 rose, magnifique. On va prendre la bleue. Ça change rien, il n'y a aucune différence entre les F1, hein. Vous prenez la rouge, la bleue, la peinture ne fera pas aller plus vite ou moins vite. Alors pourquoi ce jeu est considéré comme un jeu pourri, alors qu'il a quand même quelques points, on va dire, positifs, hein, notamment les graphismes, notamment le maniement qui est plutôt correct, hein. Bah, c'est tout simplement que le contenu est famélique. Je ne sais pas comment le jeu était vendu à l'époque, je me sens qu'il était vendu, je peux me tromper, mais il devait être vendu entre... En euros, on va prendre équivalent euro ou francs suisses, il doit peut-être être vendu 20 ou 30 francs suisses, quoi. 20-30 euros. Il n'était pas vendu au prix fort, loin de là. Mais est-ce que pour 20-30 euros, ça suffit ce genre de jeu? Bah absolument pas. Absolument pas. On prend par exemple un Ford Racing. Le jeu était vendu 20 euros à l'époque, sur Play 1, même si c'était un jeu, on a pensé un peu le jeu qui sortait des boîtes de Kellogg's. Bah finalement... il valait 20 euros, mais il y avait plus de contenu que ça, quoi. Enfin, c'était vraiment beaucoup plus consistant. Alors là, je découvre le circuit en même temps que vous. Ah, le bruit des F1 aussi, quand même assez dégueulasse. Et on est bridé à 197 miles par heure, hein, de ce que j'ai pu voir. On use les pneus à mort, pas d'arrêt au stand, pas d'usure de pneus. Les dommages, je crois qu'il n'y en a pas. En revanche, je vous ai pas montré les vues. Donc, on a une vue un peu plus éloignée. Voilà. On a une vue bah, presque embarquée, on va dire. Alors, c'est là qu'on voit les mouvements de suspension, hein, complètement. Vous voyez, on a des stands à gauche, hein, mais ça va rien. On pourra jamais y aller. Et la vue un peu plus extérieure. On va regarder cette vue, d'ailleurs, qui est plutôt sympa. Et voilà, on est à 193 miles par heure, ce qui est totalement improbable. Enfin, improbable. De rester bridé à 193 miles par heure. Bah, en gros, il faudrait rajouter 100 km/h, donc on est bridé à 300 km/h à peu près. 300, 310, 320. Et vous voyez, sans difficulté, bah, je me retrouve en tête. Donc, au-delà du manque de challenge, bah, et le fait qu'il y ait peu de circuits, rien à faire, pas de championnat. C'est quand même bien dommage. En plus, ce qui est un petit peu bête dans ce jeu, c'est de se dire ça leur coûtait quoi de faire un championnat, hein. C'était un menu à rajouter, un comptage des points avec les 6 voitures. Autre chose aussi d'ailleurs, il n'y a que 6 F1.
un jeu de F1 avec 6 F1 quoi, ça devient de l'auto-GP ce jeu, c'est pas possible. Alors pour la petite explication, l'auto-GP c'est quoi? C'était un championnat qui a vu une bonne presse à l'époque, hein, dans les années 2010, qui a vu émerger pas mal de bons pilotes d'ailleurs, mais qui au fur et à mesure des années a perdu son plateau complètement, un peu comme la formule Renault V6, et s'est retrouvé la dernière saison à faire des courses à 6 voitures. Quoi. C'était des courses en mode Gran Turismo, hein, complètement. C'est pour ça que je dis l'auto-GP, parce que là, dans le même cas de figure, on a que 6 voitures. Alors le jeu ne souffre pas forcément de manque de fluidité, hein, le jeu est plutôt propre, sobre aussi, la framerate est bon. Alors je peux changer la vue, vous voyez, ici. Mais honnêtement, ils auraient mis, allez, on va dire 10 voitures. Ils auraient mis un petit niveau de circuit, on va dire que ça pourrait aller, mais au moins un petit championnat avec un classement. Peut-être aller un arrêt au stand, un peu de stratégie. Le jeu aurait été plutôt bien, hein. Franchement, hein, si on nommait voilà, avec les techniques un petit peu dégueulasses, bah, le jeu est pas si mal. Hein. Techniquement parlant, il est pas si mal. Je ne saurais pas vous dire quelle note il a eu, mais il me semble qu'il a eu une note comme. Je crois que c'est 5 ou 6. Hein. Et voilà, on a réussi. Pareil, on n'a pas de replay. Là, je peux changer la vue si je veux pour le temps. Et puis le son moteur est dégueulasse aussi, hein. Vous l'entendez, c'est assez ignoble. On va faire start pour couper court. Et voilà, c'est vraiment très dommage. Ce jeu avait un petit potentiel de base qui n'a pas du tout été exploité. Et c'est bien dommage. Alors, on va tester quoi comme troisième circuit. On va faire un dernier circuit, je pense qu'on s'arrêtera là. Et le jeu ne mérite pas de toute façon qu'on s'y attarde pendant 40 minutes. Alors, j'ai ici Ron Understone, parce qu'apparemment, ça va être dans la ville. Ah, je pourrais plus vous montrer Interseca aussi, Interlagos, mais bon. Allez, on va prendre... Voilà, grise, hein. Écoutez, on n'a pas trop le choix. Là, c'est pareil, au niveau des au niveau des couleurs, ne me dites pas qu'ils avaient pas pu, pouvaient pas mettre des skins vraiment différents, quoi, pas forcément que des couleurs. D'ailleurs, si je m'attarde sur le jeu, attendez, on va faire un petit tour. Formula GP, je sais même pas par qui il est édité, concrètement. Je ne sais pas du tout. Ah, j'ai collé Massa, mais c'était Masta. Alors, je sais pas si... Oh, si, on peut faire un super départ, j'ai l'impression. Allez, nous sommes en ville cette fois-ci. Enfin, on dirait qu'on est en ville. Alors là, ça fait plus penser à Ridge Racer que... Oh, même pas. Même pas Ridge Racer. Limite un... Comment ça s'appelle? En plus, les F1 tournent pas du tout. Ça pourrait presque me faire penser à... Je vais arriver. Ouais, un driver, à la limite, il y a encore. Franchement, c'est propre, hein. C'est vraiment dommage. Hein. Il y avait de quoi. Le moteur graphique était plutôt bon. Ah oui, j'ai aussi oublié de parler des collisions. Mais les collisions sont dégueulasses, vous vous rendez compte. Regardez, au moment où on va toucher la voiture. Et on touche le mur. En fait, visuellement parlant, on ne le touche pas. On est à peu près à 50 cm. Et pourtant, eh ben, on touche le mur. Je ne comprends absolument pas. Alors par contre j'aurais aimé baisser un peu les SFX qui sont dégueulasses. Et ouais, quand on touche en plus la voiture nous expulse sur le côté. Ouais, j'ai réussi à le prendre à fond. Alors je sais pas, vous entendez peut-être pas assez le son du jeu, mais en fait on entend une sorte de voix résiduelle derrière nous. Comme s'il y avait un commentateur qui nous parle, mais en fait pas du tout. C'est juste la musique. Puis pareil, il y a autre chose dont je n'ai pas parlé, mais regardez ce circuit. Est-ce que vous voyez des tribunes avec des gens qui pourraient nous applaudir ou nous regarder? Non, il n'y a rien du tout. On est juste en ville, et c'est tout. Pas l'ombre de vie, rien du tout. Alors on va mettre une vue un peu plus embarquée pour un peu l'impression de vitesse.
Et on va faire le tour final. Pareil, apparemment, il n'y a rien à débloquer. Je veux dire, je vais gagner les circuits. Il va se passer quoi? J'ai aucune mention pour me dire ce circuit-là, tu l'as réussi, ce autre circuit, tu l'as réussi. Aucune mention de record à valider, etc. Enfin, je veux dire, il y a aucun contenu. Vraiment aucun contenu sur ce jeu. Alors pour le coup, est-ce que si je devais donner une note à ce jeu, je pense sincèrement, s'il avait eu à peu près 5 sur 20, je lui mettrais 8. Voilà, 8 c'est qu'une mauvaise, hein, d'accord, même pas la moyenne, mais pas aussi catastrophique que le jeu a pu avoir. Mais franchement voilà, on s'ennuie quoi, une fois que j'ai appris le circuit, regardez, il se passe plus rien, on est devant et puis c'est tout. Allez, donc c'est fini, game over, on a fini encore premier, super, on va faire start, mais je pense qu'on va rien débloquer pour autant, hein. Rien se passer. Voilà, on va voir l'écran de chargement tout gentil, tout mignon, mais c'est tout, rien à voir d'extraordinaire. Voilà, donc on a tout fait, si je vais à droite à gauche, il se passe rien, je vais faire move, il se passe rien, on va revenir en arrière, et vous allez voir le temps de chargement, ne serait-ce que pour revenir en arrière. Voilà, ça par exemple je trouve que c'est pas possible quoi, dans un jeu comme ça c'est pas possible. C'est pour ça que quand on dit Forgotten 98 c'est un jeu de merde, etc. Ouais, le maniement est pourri, les collisions sont pourries, mais par rapport à ce jeu, bon bah voilà, il n'y a pas photo, ça reste quand même largement devant. On va revoir les options, mais je crois qu'il y avait rien d'autre, hein. J'ai même pas... Voilà, il y a même pas de record, les records me servent à rien en fait. J'ai pas tout le record du tour, mais voilà, et ah oui, encore quelque chose dont je n'ai pas parlé, on peut même pas se regarder. C'est là qu'en fait ce jeu, il sert. Ouais, il y a eu une sauvegarde au début. Ça a créé un jeton. Mais à quel moment il y a une avancée de quoi que ce soit dans ce jeu? Il y a rien d'autre à faire. Une fois que j'ai fait mes 8 circuits, que j'ai gagné, ben voilà, c'est fini. Voilà, c'est limite. Ce serait un jeu d'arcade à la limite. Ça serait un jeu qui sortirait d'une borne d'arcade. Je comprendrais, bon, effectivement, voilà, le jeu est beau pour l'époque. On s'amuse avec un volant. On met son petit coin dans la machine, puis on s'arrête là. Mais là, il n'y a rien à faire, quoi. Alors on a droit peut-être à une cinématique ou une vidéo, on va aller jusqu'au bout, voir s'il y a un petit replay, et on va s'arrêter là-dessus. Ce qui est marrant c'est que même la texture du loading elle est pas à droite, enfin, ça c'est le genre de truc... Enfin bref, vous aurez compris, ce jeu ne vaut pas la peine d'être joué, sauf si vous avez envie de tester vite comme ça pour le plaisir, mais vraiment... Oh attendez! Ah si quand même, regardez, on a un petit replay d'une course que nous n'avons pas faite. Et du coup on va découvrir un autre circuit, c'est magique. Et devant, regardez, le décor ne s'affiche même pas. Ah si c'est vrai, voilà, ça c'est le fameux circuit de Hongrie. Voilà, donc le premier virage en hauteur, hein, comme tout le monde le sait. Voilà, le virage en descente à droite, et puis on va arriver sur une courte ligne droite, et après la plongée dans le virage à gauche. Donc là on est vraiment voilà, sur le circuit de Hongrie. Peu de choses près, hein. Il y a un virage ou deux qui sont un poil différents, mais ça ressemble à peu près au Grand Prix d'Hongrie. La remontée, voilà. Mais bon, ça ne vaut pas vraiment la chandelle, je vous dis, laissez tomber. Allez, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. En plus, la démo s'arrête en plein milieu pour aller jusqu'au bout, mais finalement, ils en ont eu marre. Ils ont quand même mis un mode démo, bon, pourquoi pas. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur cet écran de loading magnifique. Je vous dis ciao tout le monde.